Bonjour. Bonjour et bienvenue au Louvre. Comment puis-je vous aider? Je voudrais un billet d'entrée pour une personne. D'accord. Est-ce que vous êtes étudiante, entre 18 et 25 ans, résidente de l'Union européenne? Ou êtes-vous membre du Louvre? Ni l'un ni l'autre. Avez-vous une carte professionnelle de presse, d'éducation ou d'un ministère? Non plus, je suis simplement visiteur. Pas de souci. Le billet d'entrée sera donc à 17 euros. Ok. Avec ce billet, je peux me balader partout dans le musée? Ou est-ce qu'il y a des zones réservées? Avec ce billet, vous avez accès à tout le musée, toutes les salles et les collections, y compris les expositions. La seule chose, c'est qu'il faut choisir un horaire pour voir les expositions. Quelles expositions y a-t-il en ce moment? Alors, en ce moment, vous en avez trois. Il y a l'exposition Naples à Paris, qui est un partenariat avec le musée de Capodimonte. Mais aussi le trésor de Notre-Dame de Paris, et puis finalement, celle sur les origines de l'image sacrée, qui contient des œuvres religieuses d'Ukraine. D'accord, merci. Combien de temps vous estimez pour la visite du musée? C'est difficile à dire, on pourrait y passer des journées entières. Oui, je n'en doute pas. Mais combien de temps serait le minimum? Pour voir un peu de tout, sans se plonger dans quelque chose, je dirais au moins 2 heures voire 2 heures et demie. C'est le minimum. D'accord. Et ça ne comprend pas les expositions. Pour l'exposition de Naples, il faut compter environ 1 heure et demie supplémentaire, 1 heure pour Notre-Dame et 1/2 heure pour les images sacrées. Si vous partez sur le musée et une exposition, vous en avez pour minimum 3 heures. Ok, je vois. Est-ce qu'il y a une exposition en particulier que vous recommandez? Le trésor de Notre-Dame parle de soi. C'est 120 œuvres qui montrent la richesse et l'histoire de la cathédrale. Surtout qu'elle est fermée en ce moment, donc c'est l'occasion de découvrir tout ça. Et sinon, le partenariat avec l'Italie est unique. À vous de voir. Ok. Laquelle des deux termine plus tôt? Celle de Naples. L'exposition de Notre-Dame termine 3 semaines plus tard. D'accord. Je vais partir sur celle de Naples, du coup. Très bien. Pour l'horaire, le premier disponible est dans 2 heures, à midi. En soi, ça vous laisse le temps de visiter le musée d'abord et de terminer par l'exposition. Je vous le réserve. Nickel, c'est parfait. Bonne visite.